Salut les copains, comme vous avez vu à l'accéléré, ben on a pas mal avancé les choses. Du coup, je vais vous refaire un petit tour de ferme pour voir tout ce qui a été fait depuis le début. Alors, ici, on est justement devant la ferme. Vous vous rappelez que ici, on a les poules. Voilà. Alors, je me rappelle plus. Voilà, on a 150 poules, c'est ça. Voilà, je me rappelle plus, mais j'en avais. Ici, bon, je passe au-dessus, là, voilà, on a les moutons. Ici, alors les moutons, les poules, ils sont au taquet, hein, les moutons, on a, voilà, 117 animaux. Le plus long, c'est les vaches. Alors les vaches, j'avais démarré, si vous vous rappelez, je crois, avec 4 vaches. Et à l'heure actuelle, on se retrouve à 14, donc c'est très très long. Vraiment très long, je pense qu'il va falloir encore beaucoup de temps avant que je puisse commencer à vendre et à vivre de mon troupeau. Mais ça va, ça se passe bien, ça avance bien. En même temps, tant mieux s'il n'y en a pas trop, parce que moi ça me permet d'évoluer progressivement avec les champs, parce que pour fournir les RTM, la paille, etc., j'aurais pas suffisamment de champs si j'avais toute la quantité d'animaux. Donc c'est bien, ça me permet d'évoluer doucement. Et ici on avait créé une nouvelle zone. Donc là ce que vous voyez c'est bien sûr l'usine à RTM, hein. Tout ça vous l'avez vu dans les accélérés, hein, dans les différents épisodes. Ici j'ai placé le stock à balles. Voilà, où on peut mettre toutes les sortes de balles, c'est-à-dire paille, foin, herbe, ensilage. Voilà, et ça c'est le silo à sécher l'herbe pour faire le foin justement. Voilà, ça c'est pour la partie de la ferme, tout ce qui a été rajouté au niveau de la ferme. Et on a l'autre partie que vous avez vu également dans l'accéléré d'ailleurs juste avant. On a la partie des moutons qui se retrouve un petit peu de l'autre côté de la carte. On va s'y rendre tout de suite. Bah je vais pas me déplacer comme ça, je vais carrément me téléporter. Voilà, c'est plus simple. Voilà, ici donc la zone des moutons avec la première filature, hein, qui faisait partie de la map. Et en achetant ce champ en face, moi j'ai rajouté l'atelier des tailleurs, une deuxième filature, un autre élevage à moutons. Donc pour le moment le fonctionnement c'est tout simplement l'élevage de moutons qui se trouve à la ferme. Je rapatrie via ce camion la laine pour alimenter cette filature-ci. Et ici sur place, le deuxième troupeau de moutons lui alimente la deuxième filature que j'ai rajoutée ici. Voilà. Comme ça, avec une filature, j'alimente cet atelier du tailleur, et avec l'autre filature, j'alimente le deuxième atelier du tailleur qui se trouve là-bas de l'autre côté, qu'on a justement rajouté tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Comme ça, on a un atelier du tailleur de chaque côté du terrain, en bord de route. Et j'espère vraiment tirer profit de deuxième atelier pour faire beaucoup plus d'argent, pour justement essayer d'évoluer un petit peu plus vite. Voilà, donc là vous avez tout vu, on
a fait plus ou moins le tour. J'ai plus ou moins, on va dire, au niveau des bâtiments, bon, il manque encore 2-3 trucs que j'aimerais rajouter. Après, le reste, ce sera que du superflu. Mais là, j'ai pratiquement, on va dire, atteint mon but. Voilà, mon but, c'était de faire évoluer la partie des moutons ici. Donc, ici, on va dire que le but est atteint. Il y aura peut-être 2-3 petites choses à peaufiner hein, par la suite. On verra. Mais de ce côté-là, le but est atteint. Et au niveau de la ferme, c'est pareil. Il me manque. Alors, ce que j'aimerais beaucoup me payer là, prochainement, ça serait un stock de palettes. Que je ne sais même pas où placer. Donc, je pense qu'il faudrait que je puisse racheter un terrain. Pour acheter un terrain, il va falloir beaucoup d'argent. Les terrains que je vise, ils tournent, ils avoisinent les 300 000 pratiquement. Donc, il va falloir beaucoup d'argent. Et pour ça, il faut du temps. Et le temps, ben, c'est ce qui va me manquer la fin d'année là. Parce que je me suis lancé, pour tout vous dire, dans un gros projet de transformation de moto. Hein, je parle de la vie réelle. Hein. Et ça me mange vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et comme c'est ma passion, ben, j'y donne la priorité. Ce qui veut dire que là, pour la fin d'année, ben, les vidéos risquent d'être très espacées. Beaucoup, beaucoup plus qu'actuellement. Hein. Donc ne soyez pas surpris, les vidéos vont se faire attendre. Et en même temps, on a vu déjà un gros morceau de la série. Là, donc... on n'est même pas très très loin de toucher à la fin, il y a encore quelque chose à faire, mais on n'est pas très très loin de la fin. Et je pensais finir tout ça avant de lancer mon gros projet, mais bon, les choses sont faites autrement, ce qui fait que ben, voilà, par manque de temps, je vais espacer tout ça. En attendant, moi je vous dis bonne continuation à tous, merci de suivre mes aventures, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.